Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le second épisode de ma carrière, du coup, toujours avec Venise, bien sûr. Souvenez-vous, le dernier match, on avait réussi à gagner, donc c'était le premier match de championnat. On s'était imposé 2 buts à 1, j'étais rentré à quelques minutes avant la fin du match, tout simplement, une passe D. Et ensuite, mon premier but. Donc, des débuts plus que réussis. On est toujours remplaçant. Il va falloir gagner la confiance du coach. C'est normal. Pour une fois que c'est réaliste. Et on a en tête d'affiche YT Jeffreys. Un héros en haut de l'affiche. Ok. Le calendrier. Donc, ça, on va aller le voir de toute façon pour voir le programme de la vidéo. Juste avant, les gars, je vous inviterai à mettre un petit like. Et à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir et ça me soutient énormément. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être au courant des futurs épisodes et à me dire si cette carrière vous plaît toujours autant. On va du coup poursuivre et aller dans le calendrier pour voir le programme de cette vidéo. Du coup, la victoire, elle est là. Donc là, il va y avoir la fin. Ah non, le début du mercato, ok. Non, la fin plutôt. Ouais, voilà la fin. On va donc affronter des équipes comme Ascoli, La Spal, Cagliari. On a également Pise et Modène. Donc, je ne sais pas si on va faire les 5. Je vais voir. On va voir un petit peu combien de temps on joue. Mais peut-être, hein, si on est remplaçant, c'est même quasi sûr. Donc, je pense qu'on va y aller directement. On va juste voir dans Activité ce qui se trame. Ok, lire le livre d'une légende d'un club. Écoute, on va le faire, hein, tant qu'à faire. Voilà, ça c'est fait. Et en tant qu'investissement, qu'est-ce qu'on a? Après, je ne sais pas du coup si ça influe ma carrière ou pas. Je ne sais pas du tout. Équipe sport, j'avais, putain, c'est fou. Il y en a vraiment beaucoup des trucs. Ok, écoutez les gars, on va continuer. On va déjà passer le temps. Allez, on va l'avancer. Ce serait bien d'avancer de plus d'une heure. Je pense qu'on va skipper directement au calendrier, comme ça c'est fait. Franchement, on va pas se casser la tête. De toute façon, on compte pas partir. Voilà, on passe jusqu'au 2. Qu'est-ce qu'on a de nouveau dans les notifications? La date limite, ok. Quoi d'autre en info? Rien de fou, j'imagine. Leipzig. Ça, c'est pas nous. Ça non plus. Otavio, ok. Ok. Et ça, c'est quoi? Les stars au milieu de 2022. Nous, on est attaquants. Ça nous concerne pas. Et voilà, on arrive pour ce match face à Bologne. Je vais encore débuter remplaçant. J'hésite à faire les entraînements. En fait, les gars, je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire, hein, si c'est mieux ou pas, mais en fait, enfin, de toute façon, si je les fais, c'est en les simulant, mais j'ai peur que ça augmente un peu trop vite le général et que ce soit pas très réaliste. Mais bon, on va pas ne pas s'entraîner. Putain, en plus, débute milieu central, c'est pas possible. Ils ont toujours pas réglé ça. Écoutez, on va y aller, on gagne 1-0, il faut tenir ce score, je suis milieu, c'est vraiment dommage, hein, que ce soit comme ça. Là, c'est pas ma faute, hein. Malheureusement, je peux rien y faire. Allez, on rentre à la place de Milanaise. On y va, toujours avec la crête de coq. Allez, c'est parti. J'avais déjà oublié que c'était cette caméra. Ok, premier duel gagné. Ok, on peut s'appuyer. C'est super. Pourquoi pas la passe D là-dessus? Mais bien sûr, premier ballon, première passe D. Que demander de plus, les gars? 76e minute, ça fait même pas une minute que je suis rentré. Et on plie déjà quasiment ce match. C'est magnifique, voilà. On s'appuie. Et la défense, là, elle s'est fait avoir. Et très belle finition du numéro 9. Ah, le numéro 13 qui sort, est-ce que je vais peut-être passer buteur? Je crois pas. Attention, la première frappe et elle passe pas loin. Ok, c'est mon joueur. Aïe. Il est passé là-dessus. Attention.
2-1 à 5 minutes de la fin. Ils réduisent l'écart. Ils n'ont pas l'air de vouloir se contenter de la défaite. Ils veulent le nul, voire la victoire. Donc, faut pas lâcher. Allez, on revient tranquille dans l'axe. Ça, c'est pas mal fait. C'est bien joué. Bien joué, les gars. Le 3 buts à 1 marqué collectivement cette fois-ci. Et on peut en être fier. Bon, j'ai rien foutu. Ouais, en vrai, j'ai fait les deux premières passes. Et après, ils ont pu conclure. Donc, magnifique. Ah ouais, ils sont pas très grands dans les tribunes, par contre. Mais on espère qu'en montrant en Serie A, ce sera mieux. Très bien fait, cette passe dans le dos du défenseur. Et après, le beau missile, plein axe. Attention, il a bien trouvé l'arrêt du gardien. Superbe. Bien sûr que c'est à nous. Pourquoi pas la dernière opportunité de ce match. Oh, dommage qu'il me la coupe. J'aurais bien aimé voir si ma vitesse avait été améliorée. Mais on ne le saura jamais. Ok, en tout cas, Victor. J'ai pas fait le plus beau des matchs, mais en vrai, j'ai pas raté une passe. Donc je pense que c'est déjà ça. Je crois que j'ai perdu un petit ballon, par contre. Donc on va voir ce que ça va changer. Alors... qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ok, il marque pour ses débuts, ça on s'en fout. Qui sera l'attaquant le plus performant? Bon, logique que je sois pas dans ces quatre-là. Ok, on n'a rien d'intéressant dans les infos. Je pense qu'on va s'entraîner, les gars, en vrai, parce qu'à chaque fois, il me met dans la réserve, donc on va faire ça et je vais tout simuler à chaque fois. Sinon, je vais jamais jouer. Donc, je vais tous les simuler à chaque fois que j'en ai. Dernière performance. Tes dernières performances ont vraiment été décevantes. Je ne peux pas te retenir dans l'équipe. Le mec, je rentre, je fais une passe au bout d'une minute, mais je suis nul, ok. Non, mais en vrai, c'est dommage, parce que si tu t'entraînes pas, en fait, tu... enfin, après, c'est logique dans la vraie vie, mais... enfin, vraiment, qu'ils me disent, si tu t'entraînes pas, tu joues pas. Ça aurait été plus réaliste, parce que là, je peux pas dire que je fais rien. À chaque fois que je joue, je fais que du bon. Du coup, là, on est dans le top 3, à égalité avec Ternana et Genoa. Ok, putain, il y a Genoa dans notre pool, enfin, dans notre championnat, pardon. Il y a vraiment pas mal de belles équipes qui étaient en Serie A il y a pas longtemps. Eh ben du coup, on continue, hein, on va pas attendre plus longtemps pour ce troisième match de championnat face à la Spal. La Spal qui a 3 points. C'est pas dégueu la Spal, après on verra est-ce qu'ils sont aussi bons sur FIFA qu'en vrai. Écoutez, on va y aller directement, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à voir. Côté info, on a vu. Activité, bon, c'est toujours les mêmes trucs. Ah ok, on a peut-être une décision. Plan de développement avec le coach. Écoutez, pourquoi pas. Ok, c'est fait. Ok. Moi, j'ai toujours pas compris exactement à quoi ça servait, ça. Mais on va faire comme si on avait compris. Et on va passer à la suite pour le match. Du coup, on débute encore en plaçant 84e. Putain, je rentre pas longtemps là. On perd 1-0. Ce serait bien au moins d'égaliser. Le seul point positif de ce match, c'est que je rentre à mon poste, ATG. Mais ça va être difficile. Ça va être difficile. On va voir ce qu'on va pouvoir faire en même pas 5 minutes. Allez. Merci. Beau match à toi, Tcherichev. Je savais même pas que tu jouais là, mais bien joué. Ok, ouais, merci. Je sais tirer un corner. Je sais pas pourquoi c'est moi qui les tire alors que je suis attaquant. Mais... vas-y, on va le mettre dans le temps. Hein. Ça va les tirer en mode club pro au premier poteau. Ok. Ok, c'est pour moi. Je tente l'enrouler. Oh, il est pas mal, lol. Oh, il y a pute. Putain, j'avais même pas capté. Incroyable, les gars. On va aller célébrer ça face à eux. Face à ce supporter adverse, voilà. Eh ben, tu peux pleurer, mon gars. Les gars, j'ai même pas capté qu'il y avait but. Je pensais, je sais pas, on aurait eu une frappe toute pourrie. On va la revoir sur le ralenti. Et vraiment, s'il me disait pas beau but, je captais pas. Enroulé, pied droit. Ah ouais, en fait, elle le lobe. En vrai, elle est pas dégueu, hein. Elle est pas dégueu. Il était un peu avancé. Ah ouais, tout le monde me porte. Putain. Eh ben là, je vois pas ce que je peux faire de mieux. Deuxième ballon.
Et encore un but pour moi dans ce championnat. Magnifique, les gars. Allez, fais-moi partir. Bien joué. Je suis pas hors jeu. En retrait. Décalé encore. Et fini. Non, putain. Oh là là, on l'aura eu cette dernière occasion. Cette dernière occasion franche. Mais on n'a pas réussi à le mettre. Putain, dommage. Et ça va finir là-dessus. Un partout. Attention à leur dernière occasion. Attention à leur dernière occasion. Faut pas se trouver. Ils ont l'air de faire tourner un petit peu la balle. Finalement, il la joue. Je viens défendre. Ok, l'arrêt du gardien. C'est pas fini. Allez, faut défendre, faut défendre. On peut pas l'encaisser. On a bien joué jusqu'ici. Enfin, les 5 minutes où je suis rentré, en tout cas. Ou la tête croisée, heureusement. Encore. C'est pas possible. Allez, allez, on défend. Bien. Ok, c'est bon, ça va être terminé là-dessus. Un but partout, les gars. J'ai réussi à égaliser. Mais malheureusement, la victoire, c'était compliqué. On a eu l'occasion de le faire, mais on l'a raté. C'est dommage. En tout cas, ça va. On est toujours invaincu en 3 matchs. C'est pas mal. On va voir où on en est au niveau du classement avec ce match nul. J'imagine que les 2 premiers ont dû gagner. On va voir ça. Classement. Ouais, il n'y a que le Genoa qui a gagné. Ternana a fait le nul. Donc on est second égalité avec eux. Avec pareil, le même nombre de, enfin, de buts concédés et marqués. Ok. Rien au niveau des mails. On va par contre faire l'entraînement avant que j'oublie. Tac. Simuler. Ça c'est fait. On va également mettre ses points de compétence. Voilà, c'est ici. Je sais pas ce qu'on va mettre. Je vais pousser pour la force pour pouvoir obtenir cet archétype bientôt. Mais avant de l'avoir, il y a encore du chemin. Donc pour le moment, on va se mettre du contrôle du ballon. Et finition. Voilà, comme ça. On est pas mal, je pense. De toute façon, on en aura d'autres. Hein. C'est pas ça qui va manquer. Donc, on va simuler jusqu'au prochain match tranquillement. Voilà, face à Cagliari. Cette fois, on risque de jouer beaucoup plus longtemps en tant que remplaçant. Enfin, en tant que remplaçant qui va rentrer. On va voir ça. Et on joue Cagliari. Cagliari qui sont, attendez. J'ai pas fait gaffe. Non, ils sont pas dans les premiers. Ok, je pensais. Cagliari. Ok, 8e, c'est pas dégueu. On va faire gaffe, ça reste quand même une très grande équipe. On rentre pour 30 minutes, c'est notre corps. On n'aura jamais autant joué. Je rentre ATD avec Cheryshev. Ok, et on perd 1-0 et on a raté un penalty, je crois. Donc, ouais, on a raté un penalty, donc il faut aller pallier ce manque de but. Encore une fois, c'est à moi de prouver que j'ai ma place sur ce terrain en tant que titulaire. Attention, corner adverse pour cette première occasion. Ok, je me bats. Je me bats encore. Putain, il arrive à gagner ce duel. Je peux repartir. Aïe. Ok, le pressing, payant, peut-être, oui, payant. Ok, décale à moi. Oh putain, il est long. Il est long ce ballon. Je te la mets axe. Bien joué. La reprise, ça me revient dessus. Le petit décalage, ça redécale encore. Ok, bien. Ok, c'est pour moi. Et la finition. Cette fois-ci, je m'y attends. En une touche. Magnifique. On va le revoir. Putain. Franchement, en vrai, je dis que je m'y attendais, mais je m'y attendais pas. Je me suis mis là au cas où. Il me l'a mis plus tôt que prévu. Donc au final, tant mieux, hein, si c'est but. Voilà, il s'est bien battu. Et là, il me la met bien une touche. Ah non, en vrai, je la finis de touche, ok. J'ai fait un mini contrôle. Et par contre, la finition, splendide, sans regarder. Dédicace à Ocampos. En plus, il a quasiment la même coupe. On s'appuie. Attends que je reparte, putain, c'est pas grave. Je passe quand même. Allez, le face à face.
J'ai pas le droit de le manquer. Vous savez ce que je vais faire? Il sait pas ce que je vais faire par contre. La finition. Tout en douceur. Y a rien de mieux. Et on va aller se taper ce poteau de corner. Magnifique les gars. Doublé. Mon premier, hein. On peut s'applaudir franchement. C'est vraiment trop cheaté hein, de tirer tout doucement. C'est le gardien aux fraises. Encore une fois, voilà. Ça me passe à travers la jambe, mais personne n'a rien vu. Et on marque du coup. 2 buts à 1. La remontada. Attention, la frappe et le bel arrêt. Très bien fait. Attention au corner par contre. Ok, premier poteau. C'est pas sorti cette balle. Je me jette pas. Bien encore la défense. Allez, c'est pour nous. Attention. Peut-être la dernière percée. Allez, gardien, sauve-nous. Sauve-nous. Super, cet arrêt. Allez, faut que je défende avec eux. Il y a même leur gardien. Mais vous savez quoi, je vais me le prendre. Il risque pas de marquer. C'est pour moi, ce genre de ballon. Attention, faut encore défendre. Là-dessus, la belle prise de balle du gardien. Allez, nickel, la victoire, doublé pour moi, mon premier dans ce club et sûrement pas le dernier. 2 buts à 1, je pense que là encore une fois j'ai prouvé, franchement s'il me renvoie son putain de mail pour me dire que je suis pas à la hauteur, c'est qu'il y a vraiment un problème dans cette direction ou alors qu'il a une dent contre moi, ce que j'espère pas, ce serait bête. Genoa qui a encore gagné, ah ben en plus ils ont gagné contre les seconds, Regina, il me semble. Ah non, non, c'était pas eux, pardon. C'était un nom bizarre, les autres. Ok, et on est homme du match, encore une fois, mon deuxième trophée. Ça, c'est pas mal du tout. Jeffries, auteur d'un doublé lors du match. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien de folichon, j'ai l'impression. Côté classement. Ok, ils ont gagné. Ouais, voilà, c'était ça le nom que je cherchais. C'est Ternan. Du coup, ils sont toujours au même point que nous, 10 points chacun, et Genoa premier. Donc pour l'instant, franchement, c'est pas un départ canon, mais c'est un très très bon départ. Hein. On est dans le top 3, nous on veut le top 2, après le champion, ce serait le Graal, à voir comment on gère ça. On va s'entraîner tranquillement, voilà, tout simulé. Je pense qu'on va pas tarder à jouer titulaire. On est niveau 5. Ça, c'est pas mal. Je vais directement mettre les points. Et on va passer au prochain match, les gars, tranquille. Progression joueur. Voilà. Toc. Et on va se mettre... Qu'est-ce que je peux mettre? J'aimerais bien chercher les étoiles de geste technique pour me faire plaisir un peu. Donc déjà, on va mettre les dribbles. Et encore les dribbles ici, ouais. Et celui-là, on va partir sur les dribbles. Ça sert énormément pour la conduite de balle. Et franchement, elle est dégueu, la mienne. Donc là, au moins, ça l'améliore un petit peu. Hop, on simule. Avant de passer au prochain match. Ok. Mais c'est pas possible. Alors, je dois admettre que j'attendais davantage de ta part. Et pour le moment, je ne peux pas te titulariser. C'est décevant de voir que tu as été incapable de progresser. Si les choses restent en l'état, j'envisagerais un prêt pour te permettre d'avoir du temps de jeu. Ma patience a des limites. Tes performances lors des prochains matchs seront déterminants. Allez. Non mais les gars, on vit dans un monde où tu mets un doublé, c'est pas assez pour le satisfaire. Non mais c'est un truc de fou quand même. Je sais pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon frère? Ah là là, c'est pas possible. Écoutez, va falloir se surpasser. Hein. Je sais pas ce qu'il veut, mais on va voir. Hein, on va voir. Ok, on va juste voir côté activité, but de la victoire. Ok, on va diffuser le but. Non, quand même. Louer la performance de l'équipe. Ça serait impossible sans elle. Dites aux journalistes que vous devez marquer plus pour progresser. Ouais, voilà, on va mettre ça.
Très très bien. Voilà, virtuose. Ça, c'est fait. On passe du coup au prochain match, les gars. Face à qui? Je sais même pas, j'ai pas vu. Face à Pise. Ok, Pise. Combien au classement? Combien au classement Pise? Je pense que c'est pas très bien classé normalement. Ouais, voilà, 15e. 15e sur 20. Ok, je pensais qu'on était 18. 15e sur 20. Allez, il faut, faut rentrer et mettre direct la patate. On est à notre poste. On rentre à la place de Tcherichev. Et pour une fois, match nul et vierge. Donc ça va être encore un mot de débloquer la situation, malheureusement. Allez, faut que je prouve au coach là qu'il a un sérieux souci mental et qu'il va vraiment me regretter si je pars en prêt. Allez, c'est pour nous ce premier ballon déjà, ce serait cool d'entrer. Allez, bien. La frappe! Oh là là, le bel arrêt du gardien. Ok, c'est moi qui tire le corner encore une fois. Allez, il est pas mal. Appuie-toi. Ok, il se tente la tête. Putain, il aurait mieux fait de me la remettre. Allez, j'ai. Ok, côté, il est bien parti. Bien joué. Très bien joué. Je me la tente. Oh, ce qui sort. Putain, j'aurais dû la mettre à l'attaquant. J'ai été gourmand. Il y avait moyen. Ok, je me retourne bien. La fin de frappe. Je te fais partir. Oh. Non. Pas là-dessus. Ah là là, on l'encaisse. On l'encaisse. Je loupe une face à face. Derrière, il y a ça. Est-ce que c'est ma faute? Je sais pas. Mais en tout cas, j'y suis pour quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Faut se reprendre, les gars. On peut pas le perdre. On est bien au classement. On commençait très très bien ce championnat. On n'a pas le droit. Bien joué. Allez, pas mal cette passe. Allez. La frappe, la même que tout à l'heure. Mais cette fois de l'autre côté. Sur mon bon pied, ça change. On va calmer tout ça parce que là, je sais pas où ils allaient, mais faut redescendre sur terre. Incroyable. Très beau but, voilà. Je suis bien parti dans le dos de la défense. Je suis un peu de côté, mais franchement, je la place très très bien. Lucarne opposée quasiment. On va la revoir bien ici. Elle part bien, elle part bien. Bon, Lucarne, c'est un grand mot, mais en tout cas, elle part bien. Allez, faut aller la chercher, la victoire. Allez. Je me la tente. Elle est un peu loin. Oh là là, la barre. Oh, qu'elle était pas mal, cette frappe puissante, les gars. Allez, encore. Le petit centre au premier poteau. Pourquoi il a reprendre la tête? Il peut contrôler, tranquille. Allez, la récupération directe. On met de l'impact dans le jeu. Bien joué pour moi. Oh non, putain. Je suis pas passé cette fois-ci. Mais le stress est à son paroxysme chez eux. Corner. Allez. Allez, un bon corner, s'il te plaît, ce serait cool. Un peu trop au premier, celui-là. Je me bats. Je vais aller la centrer tranquillement. La petite feinte. On revient en arrière finalement. Bien joué. Oh, dommage. Bats-toi, bats-toi. Aïe, 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 aïe. Je vais aider. Je vais aider directement. Je peux pas les aider comme ça. Non. Allez. Gardien, s'il te plaît. Bien joué, putain. Oh non, ça revient. Quel arrêt du gardien qui nous sauve cette fin de match. Qui aurait pu être cauchemardesque, les gars, mais heureusement. Le double arrêt qui passe crème. Franchement, c'était dur. Hein. Oh là 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 là. Ah, on aurait pu le mettre. Je suis dégoûté. Est-ce que le coach va être content? Je suis pas sûr. En tout cas, je touche la barre sur la fin. Franchement, elle était magnifique. On va aller se la revoir. Je ne sais pas si elle y est. Parce qu'elle était vraiment belle. Putain, non. Il n'y a pas tout, malheureusement. C'est dommage. Un but partout, en tout cas. Des regrets, on peut en avoir. Parce que franchement, Pi, c'était pas les mieux classés. Et ça se comprenait hein, sur le terrain. Ok, homme du match. Putain, ben ouais. Tu m'étonnes. Recevoir l'homme du match, mais avoir fait nul, tu peux baisser la tête. Convaincant, Jeffreys n'a pas pu éviter le nul.
Même la presse te dit que je suis convaincant, mais eux non, je comprends pas. Malgré une belle performance, Jeffreys n'a pas su faire la différence et son équipe peut regretter les erreurs commises face à l'adversaire et doit se contenter d'un nul, ok. Modèle. Regardez-moi ça, les gars. En tant que remplaçant, c'est un remplaçant de luxe qui te fait ça. 5 matchs, 5 buts. Ils disent que je vais mettre 38 buts durant cette saison. Ce serait incroyable. Le record de la compétition, c'est 35. Franchement, on va essayer de se le battre. Ce serait magnifique. Et Jeffreys se montre excellent. Il s'impose comme un véritable leader sur le terrain et l'équipe et les supporters. J'espère qu'il pourra maintenir un tel niveau pendant le reste de la saison. Donc c'est magnifique. S'il ne me fait pas confiance là, ah ben voilà. Il m'a mis dans le 11 de départ alors que je ne me suis même pas entraîné. Vous savez qu'on va le faire, l'entraînement quand même. Ok, on l'a déjà fait. Ah, ok. C'est pas encore passé. Niveau classement. On passe second. Ok, ils ont perdu Ternan. Donc, avec ce nul, ça nous permet de recoller un petit peu au Genoa. En tout cas, d'accéder à cette seconde place. On a 4 points. Ils n'ont pas perdu un match et pas fait un nul. La rencontre contre eux s'annonce magique, magistrale. Donc, en tout cas, on est titulaire pour la première fois. J'espère que ce sera à mon poste pour ce dernier match. On y va, les gars. Jouer match. Ok, on est à la salle. Petite animation. Ah, le groupe. Jeffreys, on l'a vu. Ok. Je vais aller voir cette fiche, j'imagine. On va jouer le curieux. Est-ce qu'il y est, lui? Oula. Ah ben, j'en connais un qui est déçu. Est-ce que c'est sa place que j'ai pris? Je sais pas, mais en tout cas, il avait l'air déçu. Jeffreys, numéro 24. Enfin, check-moi ça, mon gars. On se retrouve sur le terrain, même si je sais pas qui t'es. Allez. On va y aller. Titulaire. ATG. Je demandais pas mieux. À nous de montrer qu'on en est capable maintenant. On joue Modène. Je sais pas du tout combien ils sont au classement. On va y aller. Allez. Ok, petit échauffement. Oh là là, le tifo. Non, franchement, c'est de l'abus. Hein. J'ai mis 5 buts. Je suis déjà en tifo. En tout cas, la rentrée sur le terrain. On y va, les gars. Premier match. Et en plus, devant mes supporters. À moi de leur prouver. Ok, on s'appuie vers le milieu de terrain. La belle course. La belle course. Pourquoi pas sur mon premier tir, mais bien sûr. Mais venez là, mes supporters. Comment on fait pour y aller? J'en sais rien, c'est pas grave. Oh là là, premier ballon, les gars. Première course. Et premier but. 13 mètres. Un peu la même qu'avant. Je pense qu'on va en mettre pas mal comme ça en tant que buteur gauche. En tout cas, 6 buts en 6 matchs. Attention, j'arrive à Land. C'est bien fait. Ok. La frappe! C'était moi qui voulais frapper. Je vais pas vous mentir, mais en tout cas, il a lâché une belle frappe. C'est pas grave. Pourquoi pas? Le corner. Ok. Bien joué, c'est pour moi. La petite roulette. On la remet derrière. Ok. Pourquoi pas la frappe d'ici qui frôle le montant. Dommage. Sur le côté. Bien. Très bien. Je suis passé. En retrait. Bien sûr. Oh là là, le bel arrêt du gardien. Dommage. Ok. C'est pour moi. Ok, mais là, dans le tas, la frappe. Non, il est passé. Oh, l'égalisation. Je m'y attendais pas à cette passe dans le trou. Aïe, 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 dommage. On est 5 derrière, mais on arrive à laisser quand même des trous énormes. C'est pas possible. Putain, il est tout seul. Et il finit, attention. Ça risque de se compliquer ce match. La récupération, c'est bien joué en 2 touches de balle. Pourquoi pas? Oh là là, dommage.
Tiens, les corners, c'est une catastrophe. Ça, par contre, c'est pour moi. Je l'ai mis une fois. Pourquoi pas deux? Putain. Allez, fin de cette première période, les gars. Un but partout. On menait tranquillement. On faisait notre jeu. Mais cette égalisation surprise, elle complique les choses. Et j'ai peur qu'il va falloir mettre les bouchées doubles, passer la seconde pour gagner ce match. On va voir au niveau des statistiques ce que ça donne. Mais je pense qu'on est quand même un petit peu au-dessus. Le Genoa qui gagne encore une fois pour l'instant. C'est fou, hein, il ne s'arrête pas. Détail du match, on va voir ça. C'est où? Ok, détail du match. 7 tirs à 2, donc quand même on est au-dessus. On a la possession, même si c'est 2, pas beaucoup. Donc il faut se reconcentrer et gagner ce match. On le fait partir. J'y vais. J'y vais. Je suis passé. En retrait, putain. Non, dans le dos de la défense encore. Attention, de pas le reprendre en retrait. Encore. Oh là là, le bel arrêt du gardien. Qui se détend bien. C'est chaud. Ok, j'essaie de défendre comme je peux. Oh, la belle récupération. Encore. Ok, ça te prend pleine gueule, mais en tout cas, on se te prend pas dans les cages. C'est l'essentiel. Allez, encore la défense, les gars, ils nous dominent. Là, il va falloir passer cette mauvaise phase de jeu. Oh là là, putain, il le remet encore. Comme si ça suffisait pas. Bien joué la défense. Allez, on lui met. On la remet de côté. Il peut y aller. Tu m'as vu. En retrait encore. Bien joué. Bien joué. Je l'enroule. Oh là là. Cette occasion, elle était spectaculaire. J'avais pas de mots tellement. Putain, dommage. C'était bien fait. Le beau contrôle qui m'avait très bien orienté. L'enroulé, mais il se la sort. Il reste du temps, les gars, mais il faudrait le mettre maintenant. Pourquoi pas sur ce ballon. Putain. Ouh, la belle frappe. Oh là là. Ça va être du n'importe quoi, ultra offensif. Heureusement que le gardien, par contre, lui, il bouge pas. Non, putain, il a réussi à le trouver, le gardien. Quel match. Allez, la récupération. Encore. Ok, il est seul. Fini. Oh, il me la met. Putain, je m'y attendais pas. Mais pourquoi il tire pas, les gars? Je comprends pas. Il est seul, hein. Moi, je suis dos, mais si je frappe pas direct, j'ai peur qu'il me l'intercepte. En plus, à pied faible. Ok. Peut-être le dernier corner, la tête. Et le bel arrêt du gardien, putain. Allez, allez. On pousse. Non, c'est quoi ce corner? En fait, ça part bien! Oh là là, ce qu'il a envoyé là. Il était si loin, j'y croyais pas. Ça fait deux fois dans cette vidéo que j'y crois pas. À cause de la caméra. Et pourtant, il se l'envoie, petit filet, opposé, avec son gros crâne, le numéro 6. Magnifique, magistral. Incroyable, putain, où il la met. Oh, le gardien, là, il peut être terrifié de ce qu'il vient de voir. Parce que Gianluca Buzio, quel but. Il nous sauve le match à la dernière seconde. Et normalement, la fin de match devrait être sifflée. Dans moins de 30 secondes, il faut aider défensivement, on sait jamais. Allez, allez, on aide. Ok, on bloque bien. Ok, heureusement, il partait seul, les gars. La fin du match. Victoire 2-1. Un but pour moi. Après, c'est vrai que j'ai pas été au top de ma forme dans mon premier match en tant que titulaire. Mais j'ai mis un but. C'est déjà vraiment pas mal. Et... du coup, la victoire 2 buts à 1 grâce à ce but en fin de rencontre. Ils nous ont inquiétés, hein, ça il faut le dire. Heureusement pour nous, on a su gagner. En tout cas, un but, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau des stats? On a été inquiétés en seconde période, surtout parce que c'est vrai qu'on dominait beaucoup plus. Vous avez vu de toute façon les stats à la mi-temps. Mais en tout cas, putain, le Genoa qui a encore gagné, il me semble, 4-2. Encore une forme du match, franchement, j'aurais vraiment donné à l'autre, mais
Écoutez, on va pas cracher dessus. Bouzio arrache la victoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Brescia a battu, ça c'est pas nous. Ça, on a vu. Ok, on n'a rien de fou. Au niveau du classement, du coup, qu'est-ce que ça donne? Le Genoa, toujours invaincu, les gars. 6 matchs, 6 victoires, c'est un truc de fou. Ça, par contre, ça s'appelle vraiment un départ canon. On les suit de près avec 14 points. Et on a Brescia qui est passé 3e avec 11 points. Donc Ternana là qui continue sa descente. 5e position pour eux. On va s'entraîner tranquillement. Les entraînements, c'est là. Hop, tout simulé. Voilà, normalement on sera dans le 11 de départ pour le prochain match. Pas d'inquiétude. Et du coup, on aura fait les 5 matchs du mois, comme promis en début de vidéo, grâce au fait qu'on soit remplaçant. Du coup, on s'en sort avec 3 victoires et 2 nuls. Donc, invaincu. C'est vrai que les 2 nuls, on aurait pu les éviter. Mais c'est tant pis. Au niveau des meilleurs buteurs, je suis premier meilleur buteur du championnat. Alors, j'ai joué remplaçant tout le long. Un seul match titulaire et pourtant 6 matchs, 6 buts. En termes de passes décisives, on n'est pas loin non plus. Avec 2 passes D, je suis quatrième, donc vraiment pas mal. C'est déjà quasiment mieux que toute l'équipe. Ok. Bah écoutez les gars, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est déjà pas mal pour un second épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant du prochain épisode. En tout cas, likez cette vidéo. Si ça vous aura plu, si ça vous a plu, pardon, c'est mieux de l'employer au passé. Ben ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben écoutez, on se revoit bientôt pour l'épisode 3. Merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.